Nous allons travailler à présent sur la sphère. Ce n'est pas un solide nouveau pour vous, vous l'avez déjà étudié en fin de collège. En revanche, ce qui va être nouveau, ça va être de trouver son équation cartésienne. On va donc, rejoignez-moi au tableau, observer un petit peu tout ça. Donc la sphère, vous connaissez. Attention, ça n'est que l'extérieur, hein, je rappelle. L'idée va être la chose suivante. Quand on prend un point oméga de l'espace, et R, un réel positif ou nul, ça va être le rayon. Il peut être nul, mais dans ce cas, la, la sphère sera réduite au point oméga. On va définir la sphère de centre oméga et de rayon grand R. L'ensemble des points M du plan, vérifiant, avec un accent c'est toujours mieux, oméga M égale grand R. Alors regardez, j'ai placé trois points ici sur la sphère. Ce point M1 par exemple, ce point M2. Et ce point M3 sont tous les trois des points de la sphère. On voit bien qu'ils sont ici sur un grand cercle. Alors, bien évidemment, ces longueurs ne sont pas égales, mais on a une représentation ici en perspective. Donc, retenez bien ça ωm hein, égale r, l'ensemble des points qui sont tous à la même distance du centre, et cette distance vaut le rayon, bien évidemment. Son équation cartésienne à présent, alors pour la trouver c'est très simple, il suffit tout simplement d'élever ça au carré. Vous faites oméga m au carré égal r carré, ça doit être expliqué dans votre cours. Son équation cartésienne doit vous faire penser à l'équation cartésienne du cercle que vous aviez vu en première. Là encore c'est la même chose, sauf qu'on a rajouté une troisième ici, un troisième carré. Donc x moins x oméga étant l'abscisse de oméga au carré, plus y moins y oméga au carré plus z moins z oméga au carré, tout ça égale r carré. Faites bien attention à ce carré-là. On l'oublie souvent. Donc notez bien que c'est une expression, un carré égale un autre carré.